Les officiels yéménites, soutenus par l'Arabie saoudite et les autorités houthies, se sont mis d'accord pour remettre une liste d'environ 15 000 prisonniers pour un futur échange. Cette annonce a été faite mardi lors des pourparlers de paix en Suède sous l'égide des Nations Unies. Les délégués ont dit que cet échange de prisonniers serait supervisé par les Nations Unies et le Comité international de la Croix-Rouge. Mais les deux parties doivent encore se mettre d'accord sur d'importants points d'achoppement, dont un cessez-le-feu dans le port d'Hodeïda, la réouverture de l'aéroport de Sanaa et le renforcement de la banque centrale.